Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, cette petite vidéo pour vous expliquer un peu le matériel que j'utilise pour faire mes rencontres Zoom et mes petites capsules vidéo ou mes petites blagues, mes devinettes hein, que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, alors, j'utilise pour filmer et pour faire mes réunions en Zoom maintenant ma caméra. C'est un appareil Lumix G80 qui est directement relié à mon ordinateur que j'utilise maintenant comme moniteur source. Donc, j'ai relié ma caméra à mon ordinateur avec une carte son qu'on appelle une carte Cam Link. C'est une Cam Link. Voilà, ça coûte plus ou moins 100 €. On trouve ça sur Amazon. Et donc là, je suis en train de faire passer un fond virtuel sur là derrière moi. Donc, c'est un fond virtuel que j'ai téléchargé sur Pexel, pexel.com, et qu'on peut bien sûr faire passer sur Zoom. Donc ici, je vais enlever le fond virtuel, hop, et on se retrouve dans mon bureau. Voilà. Donc, ça, c'est pour la caméra. On peut aussi utiliser, si on le veut, la caméra de son ordinateur. Bien sûr, ça vous le faites tous, vous le savez. Mais la qualité, en tout cas chez moi, est beaucoup moins bonne. Donc, je vais switcher maintenant. Je vais aller sur la caméra de mon ordi. Je vais là et EasyCam. Donc, voilà. Vous voyez, ça, c'est beaucoup moins bon que ce qu'on avait auparavant. Je retourne sur la caméra. Voilà, Lumix G80. Ça coûte aujourd'hui un peu moins de 500 €. C'est quand même un budget, mais je l'ai acheté il y a quelque temps. Donc là, voilà. Si on investit dans une carte son, dans un appareil photo, c'est un peu de sous. Mais si on a déjà, c'est juste le coût de la carte son. Si on veut, on peut aussi utiliser son smartphone. Donc voilà, n'importe quel smartphone, vous le savez. Alors on peut le mettre sur un pied. Ici, j'ai un pied de la marque Joby. C'est ça. J'ai aussi acheté sur Amazon. Et alors, il y a un niveau, on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses, comme smartphone. On peut aussi mettre donc le smartphone dessus. On peut aussi l'utiliser pour voilà, filmer, pour faire du vlogging. Quand on est à l'extérieur, c'est quand même intéressant comme petit matériel à avoir. Donc, pour ce qui est du micro, parce que chez nous, les compteurs-compteuses, la voix, c'est hyper important. Moi, j'utilise un micro de la marque Rode. Je ne peux pas vous montrer parce qu'il est en train de fonctionner pour l'instant. Marque Rode. Donc, voici. Donc, voilà. Ça, c'est l'appareil photo. OK. Et le micro dessus. Donc, Lumix G80. Voilà, ici, on le voit un peu mieux. Lumix G80. Et pour m'éclairer, alors là, j'utilise des. Comment on appelle ça encore? Des softbox. Voilà, des softbox. J'en ai deux que j'ai achetés toujours chez Amazon de la marque SD. SD, ça s'écrit comme ceci. SD. Voilà. Hop. SD. On trouve ça aussi sur Amazon. Voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit. Donc, la caméra, soit la caméra, donc un appareil photo, soit la caméra de votre ordinateur, soit votre smartphone, les softbox et puis aussi le micro. Voilà. Et on peut bien sûr s'amuser après à mettre des fonds virtuels. Soit, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Ça peut être ceci. Ça, c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur. En fait, ce que je fais quand vous êtes sur le Zoom, vous avez arrêté la vidéo, désactivé le son. Donc, vous allez juste à côté d'arrêter la vidéo. Vous allez choisir un fond virtuel. Clink, on choisit. Pas de fond virtuel. Flou. Donc, on a un arrière flou. Une autre image. Ici. Voilà, une autre. Ceci aussi, ça c'est aussi disponible sur le Zoom. Là aussi, si on raconte des contes nordiques. Et puis, voilà, si on veut un peu de soleil, ça c'est pas mal. Ou bien alors là, si on rêve d'aller au sport d'hiver. Donc voilà. Donc c'est pas un tuto, c'est vraiment un partage
de tout ce que j'utilise, donc caméra, son, éclairage. Ah oui, j'ai oublié. J'ai aussi ici derrière moi, je vais revenir à. Je vais enlever le fond virtuel, voilà. Voilà, ok, je l'ai enlevé. Alors, je m'éclaire de face, mais aussi derrière, pour créer un peu de profondeur, j'ai une lumière, petite lumière que j'ai mise à l'arrière, qui se trouve là. Comme ça fait un peu de profondeur. De temps en temps, vous vous étonnez pas, je regarde là parce que j'ai mis mon ordinateur pour avoir un peu une image de retour. Voilà, tout ce que je peux vous dire. J'espère que cette courte vidéo vous sera utile. Vous pouvez bien sûr me contacter pour si vous avez des questions et j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et une meilleure année que celle de l'année dernière. Bise, ciao, ciao. Maintenant, je trouve le bouton pour vous quitter. Voilà, ciao.